La visualisation de la thérapie énergétique psychocorporelle, leçon 35 de la formation gratuite avancée d'auto-guérison de Vivienne Rauber de Coppet, psychologue suisse. Pratique 12. Travaille avec ton problème de relation. Peut-être un problème avec ton mari, ton copain, ta maman, ton papa, ton fils, ta fille, une amie, une copine de travail. Réfléchis. Avec qui tu aimerais améliorer ta relation? Comme il s'agit d'un exercice pratique, prépare des crayons de couleur et du papier ou un cahier pour dessiner ce que tu vois. Et réfléchis maintenant. Avec qui aimerais-tu améliorer ta relation? Avec qui aimerais-tu avoir une meilleure relation? Avec ton mari, avec ta relation, avec ta mère, ton père, ton fils, ta fille, une amie, une collègue de travail. Réfléchis. Avec qui aimerais-tu améliorer ta relation? Et écris-le. Avec cette personne, quel est le problème? Écris-le. Pense maintenant à ton problème. Qu'est-ce que tu n'aimerais plus? Sois conscient de ton problème. Quand est-ce que tu as eu ce problème la dernière fois? Regarde ce qu'il se passe. Regarde comment ça commence et comment ça termine. Comment te sens-tu à la fin? Seul, avec peur, avec rage, impuissant, triste, ou comment est-ce que tu te sens? Et qu'est-ce que tu te dis intérieurement, comme personne ne m'aime, je ne suis pas important? Et où le sens-tu dans ton corps? Comment sais-tu qu'il est là? Décris ta sensation corporelle. Est-ce que c'est une tension ou une douleur? Est-ce que tu sens une pulsation, une compression, un fourmillement? Est-ce que c'est chaud, brûlant ou plutôt froid, gelé, sourd, même mort? Est-ce que ça pique? Ça pique comment? Comme une aiguille, comme un couteau ou comme quoi? Décris ce que tu sens dans ton corps. Prends maintenant ton crayon et écris sur ton cahier quel est ton problème, le message de base, le sentiment que le problème provoque et où tu sens cela dans ton corps et ce que tu sens dans ton corps, la sensation corporelle. Demande maintenant à
un être supérieur ou à ton âme ou à ton inconscient de t'aider. À qui demandes-tu? Si c'est plus facile pour te concentrer, tu peux aussi fermer les yeux. Regarde maintenant encore une fois ton problème. Et sens l'émotion que ce problème provoque. Et ce que tu te dis intérieurement, le message de base qui accompagne le problème. Et où dans ton corps tu sens le problème? Sens-le. Sens tout cela. Montre ton problème à ton aide supérieur. Laisse-lui sentir l'émotion, le sentiment corporel qui accompagne le problème. Et demande-lui de te faire venir une image. Et attends de voir si l'aide supérieure va te faire voir une image symbolique ou si elle va te faire voir un souvenir. Attends. Et regarde l'image. Regarde cette image et attends qu'elle soit bien claire avec des couleurs, jusqu'à ce que tu puisses la dessiner. Et prends tes crayons de couleur et dessine-la. Et mets maintenant ton dessin, ou tu peux aussi simplement t'imaginer de mettre l'image à 2 mètres devant toi, hors de ton champ énergétique. Et quand tu vois l'image dehors, passe la respiration parallèle à travers l'image devant toi et passe la respiration parallèle pour y faire un champ énergétique plus clair, plus organisé, plus fort. Et regarde si l'image change avec cette énergie plus élevée. Imagine-toi maintenant de passer la respiration parallèle à travers l'image devant toi. Tu fais monter la respiration parallèle à travers le champ de l'image et tu fais descendre la respiration parallèle à travers de l'image. Pour amener une énergie plus élevée et continue à passer la respiration parallèle
à travers l'image devant toi. Tu le fais à ton rythme respiratoire. Inspire à travers l'image devant toi et expire à travers l'image devant toi. Inspire par de multiples canaux parallèles imaginaires et expire à travers ton image devant toi. Et regarde si il y a un changement. Regarde ce qui a changé. Comment l'image a changé. Et dessine-le. Continue maintenant à passer la respiration parallèle adaptée aux 5 éléments chinois, maintenant à l'élément terre, comme tu l'as connu déjà dans la formation du jeu guérisseur par les 5 doigts pour l'enfant intérieur blessé. Tiens ton propre pouce avec beaucoup d'amour et sens comment tu dois embrasser ton pouce pour qu'il se sente vraiment accueilli et aimé. Et regarde encore une fois l'image que tu viens d'avoir avant, l'image qui a déjà un peu changé par la respiration parallèle. Et regarde cette image qui est encore toujours devant toi. Et imagine-toi maintenant qu'à l'inspiration, tu fais monter à travers cette nouvelle image l'énergie de la terre nutritive. À chaque inspiration, tu fais monter encore un peu de cette terre nutritive. Et tu continues à passer la respiration. Et tu regardes de nouveau ce qui se passe dans l'image. Tu regardes s'il y a de nouveau un changement. Et dessine-le. Tiens maintenant ton index de manière protectrice et sens comme l'index se sent protégé et en sécurité. Et fais passer maintenant la pluie à travers ton image devant toi. Laisse passer la pluie purifiante à travers ton image. Regarde si l'image change. Regarde-la bien pour voir si elle change. Et dessine ce qui a changé. Et entoure maintenant ton médius avec force et transmets-lui la force. Et
Fais passer maintenant les rayons de lumière universelle à travers l'image devant toi. Et pendant que tu fais passer les rayons de lumière universelle, regarde l'image devant toi. Regarde s'il y a quelque chose qui change dans ton image. Pendant que tu continues avec les rayons de lumière universelle. Et dessine s'il y a un changement. Entoure maintenant ton annulaire de manière consolatrice et fais passer maintenant à travers l'image devant toi un vent. Et pendant que le vent passe à travers ton image, regarde si ce vent produit un changement dans ton image. Et laisse le vent passer à travers ton image en lui apportant une énergie plus élevée. Et regarde s'il y a un changement. Et dessine-le. Et tiens maintenant ton petit doigt de manière qu'il sente ta chaleur. Et fais passer maintenant à travers l'image devant toi les rayons de soleil. Et pendant que les rayons de soleil passent à travers ton image devant toi et amènent une énergie plus élevée, regarde si se produit un changement dans ton image. Regarde ce qui change. Et s'il y a un changement, dessine-le. Et souviens-toi maintenant de quelle respiration a apporté le plus de changement dans ton image. Et répète-la encore une fois et fais passer cette respiration à travers ton image devant toi. Et s'il y a encore un changement, dessine-le.
Peut-être il y a aussi des paroles qui accompagnent l'image. Écoute-les. Si l'image n'a pas changé, ou si elle ne te plaît pas, cette nouvelle image, laisse-la dehors et continue ces prochains jours à passer la respiration parallèle jusqu'à ce qu'elle ait changé. Et quand elle aura changé, tu pourras faire ce que nous allons faire maintenant. Ancre maintenant la nouvelle image dans tout ton corps pour qu'elle se manifeste plus rapidement dans ta vie. Cette nouvelle image qui voulait être l'aide pour ton nouveau changement. Prends l'image et mets-la maintenant là d'où était sortie la première image qui symbolisait la victime. Laisse pénétrer l'image là et laisse chaque cellule s'ouvrir à la nouvelle image et son nouveau message. Ancre l'image, et ici il y a des paroles qui accompagnent l'image, aussi les paroles dans tout ton corps. Commence par la tête. Ancre l'image maintenant dans ta tête. Dans ton cerveau, dans le crâne. Laisse l'image pénétrer toute ta tête et demande à chaque cellule de s'ouvrir à la nouvelle image. Et mets maintenant l'image dans ta nuque et ton cou. Fais pénétrer l'image. Et demande à chaque cellule de s'ouvrir à cette nouvelle image et le message que l'image contient. Et amène maintenant l'image à ta poitrine, ton dos, ton ventre. Et fais l'image pénétrer tout ton buste. Laisse l'image pénétrer aussi tes organes, ton cœur, tes poumons, tes reins. Ton estomac, ta rate du côté gauche, ton foie et ta vésicule biliaire du côté droit, tes intestins. Ta vessie,
et tes jambes. Et quelle partie de ton corps a besoin de voir l'image encore une fois? Et mets l'image là. Laisse-la pénétrer chaque cellule. Et demande à chaque cellule de s'ouvrir à l'image et au message que l'image contient. Fais maintenant le dessin de ta dernière image sur une grande feuille que tu mets quelque part où tu la vois tous les jours et intègre ce dernier dessin tous les jours jusqu'à ce que tu notes un changement dans ta vie quotidienne. Et remplis tous les jours le journal d'études par YouTube que tu trouves sur ma page web. Cela te donne un contrôle de ce que tu as fait. Et peut-être ça t'aide aussi à le faire plus régulièrement. Et si tu veux le diplôme final, tu dois le faire de toute façon. Continue avec la prochaine leçon que tu trouves à travers ma page web www.vivienneraub.com, français, YouTube, visualisation.